Oh! C'est quoi ça? J'en sais strictement rien. Le monstre G. Ah, celui-là que Berkin il a créé dans l'original. C'est celui-là. À quoi qu'il y a les petits têtards, ça peut être ça. Ouais. Vache. On va aller faire le saut de la deuxième grenade. Bon. Je crois que j'ai un peu gaspillé des munitions pour rien. Je voulais voir si on pouvait le tuer, mais laisse tomber quoi. On a plus rien. Intéressant. On a rien quoi. J'aurais pas dû tirer. J'aurais dû l'amener et l'esquiver en fait. Ça servait à rien ce que j'ai fait. Putain. Où est-elle passée? Email au QG d'Amblala. Des armes se sont déclenchées dans tout le nest. Je sais pas si ça passe, mais j'entends des tirs. Je n'arrive pas à joindre mon chef de section d'après au piège. Envoyez l'aide plus vite. La situation ici est désespérée. Le nest a été contaminé par le virus. Incroyable. Le système de sécurité ne s'est pas activé. Pardon. Il a été installé par des sous-traitants. Je suppose que oui, mais pourquoi? Meyer et Kim sont morts. Je n'arrête pas de tousser. Pourquoi vous ne répondez pas? Directeur Owen, vous, c'était vous depuis le heure. En plus, j'aime bien qu'on trouve des cartouches, c'est 2. Ah, super, merci. C'est même pas 5 ou un truc comme ça, non, 2. Je dois bien savoir comment on trouve la combinaison du coup là. Je vois pas trop comment on trouve la combinaison. Ah merde, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, j'aime pas ce bruit. J'aime pas aussi. Où est-elle? Ada! Où est-ce dispose? Ça doit être. On va sûrement voir le truc. On va sûrement voir le monstre.
Brochure, c'était des égouts. Merci par ta goût portée au nail de construction. Au cours des 20 dernières années, nous avons l'honneur de travailler sur le système d'éducation des eaux et d'utiliser la grande ville de notre pays sans jamais perdre de vue nos deux principes fondateurs que les âmes se ludiques. Chez KCC, nous pensons faire notre œuvre souterrain n'empêche pas notre niveau de qualité de dépasser les attentes. QG, membre de l'Alliance de l'échec, conseiller au club d'échec. Ah, on va sûrement voir la vidéo avec Hunk, je pense. Je dirais. Je t'en supplie. Ça va. Non, c'est pas ça, non. Par ici, saloperie. C'est pas ça. C'est pas de mal. Pas de mal. Le virus, je parie que Serra l'ont propagé. Désolé, je mangeais un petit bout. Je pensais que la vidéo allait être beaucoup plus longue. Merde. Ah, désolé. Je coupais le son, comme ça vous m'entendez pas mâcher. Je suis en train de me dire, honnêtement, j'ai envie de recharger la partie, en fait, pour éviter de perdre les munitions que j'avais. Ça, on a perdu au moins une vingtaine de balles de flingue. 6 cartouches de fusil à pompe, je crois. Ça me fait vraiment chier. La zone U, j'ai perdu le truc qui expliquait comment ouvrir la porte de la zone U pendant le dernier transfert. Il faut brancher une prise dans chaque terminal. Et si quelqu'un se rappelle dehors, soyez sympa d'afficher les infos sur le tableau. Sur ce tableau. Il me semble que la tour et le cavé sont sur le même mur et que le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre aussi. Ah, c'est ce genre de puzzle à la con. Putain. Prise de fou, prise pion. C'est genre prendre en compte en fait à chaque fois. D'accord, on a trois prises, il manque l'autre. Faut aller la récupérer. On va aller déposer. Je crois qu'on va aller se faire des balles de flingue. Ça, on va la jeter. On va se faire des balles de pistolet. Faudrait qu'on puisse en faire plus. Genre comme dans le 3. Plus il utilise, enfin plus il en crée et plus il prend de l'expérience. Comme ça, il en fait encore plus. Bon, on va aider Aida. Là. Il y a une herbe rouge là-bas.
Moi, il en met à côté. Ah, la poudre, ouais. Comment je suis censé savoir ça? Ok, 2, 12, 8, d'accord. Oh, voilà. Je suis sûr que les autres les cadenas là, il y a sûrement les trucs pas loin en fait, les réponses pas loin du coup. Alors, stabilise l'arme et permet de tirer et de recharger en un seul geste. Cool. Oh la vache. Ouais, si on est... Enfin, je regarderai si on peut pas retourner au RPD à un moment. Parce que je pensais à chaque fois qu'il fallait trouver des... J'en sais rien, enfin des... genre des pellicules à développer et tout ça, mais en fait c'est arrivé qu'une seule fois. Qu'est-ce qu'on fait? Oh putain. C'est une catastrophe. On a pas de balles. Merci pour le follow, Lord. Bienvenue. On va d'abord aller voir là-bas, si j'y suis. Faut la manivelle. Ouais, je suis en train de me dire... Eh merde. Je suis en train de me dire que j'ai dû passer à côté de plein de... Plein de ressources en fait. Où est-ce qu'elle était, Aida? Putain, mais... Je me suis perdu en fait, non? Qu'est-ce qui se passe? On est de retour ici. Ok, allez. On se concentre. Oh. Ah ouais, non, ça c'est pour la porte en fait. Non, il faut récupérer l'autre prise, d'accord. Il faut récupérer l'autre prise pour aller sauver Aida. Voilà, c'est ça le truc en fait. C'est ça le truc qu'il faut faire. Pour revenir en arrière. Tu as tenté de dormir, Choco? Mais pourquoi? On est bien là. Ah ben voilà, elle est là. Ça sert à rien de dormir. Bracelet d'identification requis pour le funiculaire. Le funiculaire. A plus, Choco. Bonne journée. L'arxie de saut était livré sur le lieu indiqué sur votre facture. Coffre résistant à la chaleur x1. La combinaison est écrite sur le côté du coffre. À la craie, n'oubliez pas de l'effacer avant d'utiliser le coffre. Super.
Mais du coup, j'étais passé par où, moi, en fait? Ah, là, derrière. Je me perds un peu. En fait, faut créer un passage pour que on puisse retirer la prise et laisser le pont monter, en fait. Je crois. Ah putain, mais c'est dégueulasse, ou ce qu'il y a. Des clés. Clé d'une zone des égouts. Oh, c'était quoi ça? Je sais pas, mais on se casse. Oh merde! Oh la vache! Depuis quand on est dans Silent Hill, quoi? Ah, c'est énorme! En fait, c'est plein de... Ah ouais, c'est plein de bestioles que Birkin, il a créé. Je pense. Ça y ressemble, ouais. Non, ça doit être ça, en fait. Ouh. Bon, bah, il y en a un qui nous a volé notre couteau. Il y en a un qui nous a complètement volé notre couteau. Le roi. Je peux le récupérer si je tue le monstre. Ouais. Ah bah voilà. Ah non, ça c'est la reine, ça. C'est pour mettre la reine aussi. Je pense qu'ils doivent nous empoisonner, ces monstres-là, parce qu'il y a plein d'herbes bleues partout. Allez, on va mettre la reine là. Il n'y a pas autre chose. Lance-flamme. Enfin, je crois.
Ouais, c'est un lance-flamme, ça. Il y a combien de composants, putain? Pas le faire venir ici. Et après on saute. Putain de merde. Ouais, les couteaux sont pas mal parce que si on les plante en fait dans les zombies ou des trucs comme ça, si on le tue, on peut récupérer le couteau. Bordel. Yeah, on a bloqué le zombie. Ah mais je suis en train de me... Comment tu récupères le lance-flamme en fait? Ce côté. Merde, je crois que c'est de ce côté, non? Arrête de bouger. Bon sang. Ah putain. Je dois prendre deux places, même trois. Lance-flamme chimique. Maintenez RT pour utiliser le lance-flamme. Plus vous enflammez une cible et plus les flammes générées sont grandes. Okay. Ah, il est stylé. Avec le tube qui bouge et tout, c'est stylé. C'est cool. King. On est censé prendre les deux pièces. Pas, je suis perdu en fait là. Queen, non.
Ah oui, après on saute. Pas du tout. Honnête, je suis complètement paumé en fait sur ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut récupérer les pièces? Faut trouver un stratagème pour récupérer les pièces? Genre faut remonter. Merde, je l'ai laissé où l'autre? Ah oui, elle est là. Donc. On prend celle-là. C'est bon, on y est. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on reprend. Voilà, c'est un putain de casse-tête en fait. C'est pas assez tout courbe. Voilà, et maintenant on va là. C'est bon, on a les deux, on se casse. Ah merde. Faut revenir par les bestioles. Oh putain. On avait le buff. On avait le buff de dégâts et tout ça, et on peut pas se faire empoisonner, donc ça va, mais. Putain. Ah, pas mal ça. On fait comment pour passer, nous? Pas mal qu'ils aient rajouté ça, quand on a un mix de trois herbes en fait. On a un buff, on prend moins de dégâts et on est protégé contre le poison en fait pendant un moment, c'est pas mal. Oh, putain de merde, t'es sérieux? Trop pour bar hanté, faut aller là-bas. Thank you.
Mais c'est horrible, les égouts. Mais c'est affreux, c'est... Mais ce qu'ils ont fait, mais c'est une zone, mais c'est affreux, quoi. Il y a que de ça partout, ils sont ultra durs, ils sont ultra gros, tu peux pas les passer en force. C'est super dur. Je suis en train de me dire si je devrais pas les brûler, mais bon. On va y aller tant qu'on a le buff. Parce que sinon, ça sert à rien. Je comprends pourquoi on a le buff maintenant. Oh la vache! Je comprends pourquoi ils ont créé ça. Non, je suis plein. Ah, la salle de pause, dis-moi que c'est la clé. Yes. Dis-moi qu'on a plus besoin de... Oh putain, non. Ah, il me faut une salle de sauvegarde. Il me faut un coffre, en fait. Fier pour un festival de jazz. SZF. C'est de la poule. Oh non. Salle d'injection de l'eau. Ok, on va aller voir. On va aller voir là-bas. On va peut-être pouvoir utiliser la clé et... Après, on la jette. Yes. Poudre noire, grande quantité. On aurait dû garder ça pour la prochaine fois. Je pense que maintenant, je le serai. On devrait garder poudre noire x2, la grande quantité, là. Et les mettre ensemble pour faire plein de balles de pistolet. Putain de merde. Comme ça on le saura. Bon. C'est pas tout mais... Bon maintenant on peut passer du coup. Ok. On va prendre un truc. On va prendre
ça. Honnêtement, je sais pas pourquoi ils font pas comme Resident Evil 3, là, le fait de faire des balles. C'est vraiment top. Merde, par où faut passer. Enfin, avec le machin là pour créer des balles. Plus t'en faisais, plus tu gagnais de l'expérience aussi. Tu peux même faire des balles spéciales après. Ah, mais je suis au mauvais endroit là. Il me faut une salle de sauvegarde, j'y arrive pas. Ah, c'est là qu'il faut aller. On est obligé de passer par là, merde. Ah, tu me fais chier, toi. Hmm.